Alors, le magazine, qui le numéro 1, qui est le numéro de lancement de Jumelage Partenaire Magazine, traite des dispositifs d'assistance et d'aide et d'accompagnement dans les principaux pays francophones, qui sont la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, qui sont en fait les pays pourvoyeurs de coopération, d'opportunités de coopération, les pays vers lesquels spontanément la plupart des autres pays du monde francophone s'ouvrent pour ce type d'échange. Dans cet opus, nous avons aussi un grand entretien avec le ministre bourgmestre de la ville de Namur, la capitale des Belges, des francophones de Belgique, qui partage avec le lectorat son expérience des échanges, notamment avec des villes européennes, mais également avec des villes des pays du Sud. Très enrichissant. Nous avons des rubriques qui nous renseignent les activités des acteurs dans les échos de territoire, mais également des rubriques comme Actu des acteurs, qui justement met la lumière en les sortant de l'ombre sur tout ce qui est au quotidien, sur les territoires, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique, font vivre les échanges et la coopération décentralisée. Le numéro en préparation qui va être distribué pendant la période estivale traite des échanges au niveau des groupes d'amitié parlementaire. Vous savez, pratiquement dans tous les pays du monde aujourd'hui, c'est le cas dans la plupart des parlements africains, il y a des élus, des députés ou des sénateurs qui sont en charge de faire du lobbying en faveur de tel ou tel pays. Comment tout cela s'opérationnalise? Ben, nous proposons au lectorat un voyage dans l'activité des groupes d'amitié parlementaire. Parallèlement, un dossier consacré également aux chambres de commerce bilatérales. Là également, ce sont des groupes qui se constituent d'hommes d'affaires pour aller à la conquête des marchés dans des pays avec lesquels ils souhaitent avoir des échanges commerciaux ou économiques. Donc, ce numéro, justement, en préparation, lui, traitera de ces deux grands dossiers et le lectorat se situant également parmi les parlementaires membres des groupes d'amitié, parmi les membres des chambres de commerce bilatérales. Nous avons enfin un dernier numéro, celui de la rentrée septembre-octobre, qui sera préparé. Nous sommes ici au Comité national olympique. Ben, ce numéro, justement, de rentrée, lui, sera consacré aux échanges entre mouvements nationaux olympiques, aux échanges scolaires également, aux échanges dans les réseaux d'enseignement, les échanges entre universités, entre grandes écoles, les échanges entre collèges et lycées. Il ne vous a pas échappé que je suis l'ancien directeur du programme Jeunesse et Coopération ACP-UE à Bruxelles. Donc pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur de diriger à Bruxelles le seul programme qui a organisé des jumelages à grande échelle entre les établissements d'enseignement des pays de l'Union européenne et des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique.